C'est bon maman, la boule elle est bien? Il faut qu'elle soit même... Oh non, ah mais c'est fini là. Il l'a fait tomber? Ouais, ça y est. Mais vas-y, mets-lui, mais... japonaise. Les gars, il me reste une boca japonaise. Mais je suis chaud. T'es chaud? Par contre, pas de nouilles, pas de nouilles. Oh, Zizou. Oh, ouvre la porte. Oh. Zizou. Oh, ouvre les yeux. On se fait dégustation japonaise à 5h du mat. Voilà, non. Dégustation J-pop japonaise. C'est bon? Allez. Allez. Zizou, ça va? Oui, c'est bon, t'es réveillé toi. C'est bon, c'est bon. Zenpop, comme d'habitude, le lien dans la bio si vous voulez des produits japonais. Mais on commence par ça. Ah, oh, pistache. Oral. Zizou, qu'est-ce que t'en penses? Chacun a un tien photo. Non, en vrai, ça a l'air bon, Rim. Non, j'ai pas aimé. Non, Rim, c'est une dinguerie. Tu veux t'aimer ou pas? Mais vous aimez vraiment? Suivant. Vas-y, Rim. Okay. C'est quoi ça? Des frites. C'est bon. Comment? On a déjà ça en France. C'est bon ou pas? Oui. Vas-y, ouvre le troisième, Zizou. Ouais, dégueulasse. Je crois que c'est la pire dégustation de France, gros. Frère, écoute, y'a personne qui parle. C'est trop bizarre la texture, frère. Non, 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 c'est exceptionnel, Rémi. Rémi. Rémi dit la vérité. Rémi. Mais gros, t'aimes rien, sale chien. Frère, t'abuses. Je vous jure que c'est vraiment bon. Arrête, on a la tête là. Moi, je t'ai juré, frère, c'est le pire début de vidéo de YouTube. Ah non, non, je sais pas. Camille, viens, on goûte ça, ça va te faire changer. Vas-y, 18. Ouvre. Oh, imagine, c'est dégueulasse. Ça, les gars, c'est quand vous pouvez trouver dans les fêtes foraines, des trucs comme ça. Ensuite, les gars, on a ça. C'est un truc au melon. Vas-y, 1, 2, 3. C'est un truc au melon, c'est bon. En vrai, c'est bon. Il aime pas. Les refs, 5h du mat. J'ai mal au ventre. Bah voilà comment ça se passe les gars, un matin de Ramadan chez Demon Squad, c'est comme ça, hein. C'est comme ça les gars. Rémi, là je crois, il y a 5h du mat, ensuite ça dégueule sur une dégustation japonaise. Voilà. Ça pue là. Oh t'as pété sale chien. Ah il nous reste un. Il reste un petit truc là. Ouais c'est un truc gélatineux. Non ça va, c'était bon. Je mets un 7 sur 10. Zizou combien sur 10? Ouais. 7? Ouais ouais. 4. Si vous voulez un petit code promo, Japan Lover, hop, vous allez sur Zenpop. Vous avez 5 euros, sinon vous avez le lien dans la description, tu connais. Imagine, il va péter les plombs demain au réveil. Il va voir qu'on a ouvert la box. Si on lui met des trucs à la place. On lui met des cordons bleus. On lui met un cordon bleu dans une boîte ou pas? On fait demain. Sur cette dégustation, retournons dormir, non? On se retrouve demain? On va aller se recoucher, on se retrouve demain, les gars. Demain, il y a un petit programme, j'ai organisé un petit truc pour la journée du Ramadan. Ça va être cool, ça va être marrant. Donc, allez vous reposer, les mecs. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Tu vas faire une partie Clash Royale après dodo. Attends, il est mon téléphone. Wesh, mes frérots, j'espère que vous allez bien, les gars. Donc là, c'est le réveil. C'est le réveil du jour du Ramadan, les gars, hier soir. Alors, je sais pas trop si ça va être bien ce qui a été filmé, mais je crois que ça va être n'importe quoi. Il est 11h05, les gars. Tout le monde est encore en train de dormir à part Nadim. Et donc il y a Zizou, Rémi qui sont en train de dormir. On va les réveiller après. Et là, attends, d'ailleurs, il y a Nadim, frérot. Je sais pas ce qu'il est en train de faire. Oh, qu'est-ce que tu fous, mec? Je joue à la balle pétanque. Tu joues à quoi? À la balle pétanque.
La balle pétanque. Attends, j'arrive. Bon, on commence ce vlog, les gars, par une petite partie de pétanque avec Nadim. Et ensuite, on va voir ce qu'on va faire pendant cette journée du ramadan. J'espère que les gars, tous ceux qui font le ramadan chez eux, tout se passe très bien. J'espère que ce petit mois du ramadan se passe très bien pour vous également. Les gars, en fait, on avait besoin de ça. Parce qu'en fait, regarde, là, on disait c'était une balle. Et là, c'était une balle. Là, regardez, on peut faire. Et là, si ça a tiré vers 9, t'as presque gagné. Et si l'autre balle, elle a tiré que à 5, c'est elle qui a gagné. C'est-à-dire faut prendre ce truc. Très bonne explication. Ouais, c'était trop chaud, frère. Vas-y. Ok. Bah, tu sais jouer? Bah oui. Et là, attends, là, je prends le mètre. Ça, ça fait 78 mètres. Combien? 78 mètres. 78 mètres. 30 mètres. 30 mètres. 13 mètres. 13 mètres. C'est laquelle, du coup? Ça veut dire que c'est L. Ah ouais, tu pouvais pas le voir sans le mètre. Mais en fait, on a besoin. Nadim. Ouais. Tu fais le ramadan toi aussi aujourd'hui? Ouais. C'est vrai? Ouais. T'as pas mangé ce matin? Non. T'es sûr, hein? Ouais, j'ai pas mangé du tout. Je t'ai fait confiance, mec. Regarde-moi. Ouais. T'as pas mangé? Ouais. Ok. Je commence. Attention. Hop. À toi. Oh, la caméra! Oh, mais frère, mais t'es un ouf, toi. Ouais. Ah. 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 Oh. Oh. Yes. Yes. Ça fait 34 mètres. 21 mètres. Mec. Ouais. Tu sais qu'hier on a fait la dégustation sans toi? Hein? On t'a laissé des trucs. T'avais même pas pensé à moi. Mais si, mec, on a pensé à toi, la gym. T'es chaud, on va réveiller les autres? Ouais. Mais Rémi, on le réveille pas, hein. Rémi, c'est mon ennemi, il est chaud. Mais c'est mon ennemi. Ok, mec. On va le tuer. Vas-y. Non, peut-être pas quand même. Ok. La gym, aujourd'hui, on va faire quoi aussi? Boule de neige? Non, on va faire des gâteaux. On va faire des gâteaux, mec. On va faire quoi comme gâteau? Alsacien. Vas-y, il est chiant, lui. Recette boule de coco orientale fondante. C'est bon, ça? Avec du noix de coco et avec la confiture. Tout cahier, c'est des recettes alsaciennes. C'est le ramadan, mais qu'on va pas faire des recettes alsaciennes. On a qu'un gâteau pâtissier. Il a fait une musique avec son bras cassé. Vas-y. Allez, chante. On a qu'un gâteau pâtissier. La chèque est le On a qu'un gâteau pâtissier. On a Vas-y, on fait la recette, mec, et on va réveiller Rémi, ok? 560 g de farine, ok? 150 sucre. 150 de sucre, c'est beaucoup 150? Au lieu de 225. Ok, 150 de sucre, c'est bien. 3 gros œufs. Comme gros des molécules. 25 sachets de levure. Hein. Donc de la levure. En centilitres de l'huile. 225, confiture. Attends, 225. Notre coco râpé. Et ça, c'est la recette. Parfait. Ok, donc objectif final, c'est quelque chose comme ça. Ah, comme ça on peut manger avec les petites baguettes comme des trucs chinois. Mais t'es sûr que c'est un truc de ramadan ça, maman? C'est pas plutôt... C'est japonais ça. Les gars, en fait, vous connaissez les tablettes crunch? Les tablettes crunch de chocolat. Il y a en amande, tout. Et aussi, peut-être, si vous avez acheté un paquet et vous avez un ticket, on va vous emmener dans une usine de chocolat. Et après, on peut faire une vidéo avec Mr. Bean. Pour de vrai. Mais c'est pour de vrai, c'est fait dans une vidéo. Avec Mr. Bean? Oui. Mr. Bean? Non, Mr. Bean, l'autre, là qui a plein d'argent. Ok, on commence à préparer ça cet après-midi alors. Il est en train de marcher, il apparaît dans la pièce comme ça d'un coup. Regarde, une loutre d'Europe. Il est déjà réveillé le chien. Il est là, il est déjà réveillé. Tu fais quoi encore, Clash Royale? Ouais. Frère, ta chambre, elle sent le saucisson. Alors que tu fais le ramdam. Tu fais toi? Tu joues encore à Clash Royale, depuis hier tu t'es... depuis hier t'es dessus. Depuis 5h du matin, t'as pas lâché. J'arrive pas. Tu vas aller voir ce qu'on t'a laissé dans la box japonaise. Ouais. Va dans le salon et on te ramène, ok? Allez là, mec. Allez, viens. Allez, vas-y, on t'a laissé des trucs dedans, mec. Mais non, mais Nadim, c'est vrai. Vas-y, pourquoi tu stresses comme ça? Mais... C'est un peu bizarre là, il a encore... Mais non, c'est pas bizarre, frère, regarde. Vous m'avez tout laissé en fait. Ouais, ils ont mis de la mayonnaise. C'est de la mayonnaise japonaise, mec. D'accord. Ok, vas-y. Ok, un deuxième ramen. Oh, vas-y, goûte ça, essaie de goûter. Ah, il y avait un candy-up dedans. Non, mais vas-y, moi. Regarde, goûte. Ils se sont trompés, ils ont mis un candy-up dedans. T'aimes bien?
Voilà, hop, ça. T'aimes bien ça ou pas? C'est des frites. Vas-y, ouvre ça. Ça, c'est super bon, ça. Ça, tu vas kiffer. Qu'est-ce qu'il y a? J'aime pas. Mais il y avait un Babybel dedans. T'étais pas... Tu sais, qu'est-ce que vous avez fait? On a fait quoi? Vous avez presque tout dévoré et vous avez mis des trucs à la place parce que vous avez... Non, ça, c'est des Babybel japonais. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est du fromage normal. Et tout est ouvert. Et ça, c'est des papiers. Voilà. Il reste un truc. Oh, Rémi. Surprise. Rémi, il y a une surprise pour Nadim. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Donne les mains. Ferme. Waouh. What? C'est normal. Ça vient de la France. Vous avez tout dévoré. Ce gars il est fou, maman. Ce gars il est fou. Les mecs, c'est eux qui se sont trompés, hein. C'est pas moi. Hein. Nadim. Ouais. Nadim. Bah, il a pas le burchon. Qui a pas le burchon? Michou, Michou. Il a pas quoi? Le burchon. Le burchon? Oui. C'est quoi un burchon? C'est celui qui coupe les arbres là. Il a du miel, il a du miel dans sa bouche. Tu le connais pas là? Ah, Winnie l'ourson. Voilà. Ah. Celui Winnie qui... Burchon. Ah, Winnie Burchon. Bon, c'est quoi Nadim, la suite du programme d'aujourd'hui? Hein? Mec, il est où ton casse Pokémon? Hein? Mec, tu fais le ramadan, qu'est-ce que tu fais? Bah quoi? Mais tu fais le ramadan? Bah je bois. Bah pas dans le ramadan, on boit pas. Bah vas-y. Bah non. Mm-hmm. Bah c'est quoi le ramadan alors? Quand là c'est midi où tu peux boire. Quand c'est midi tu peux boire. Oui. Après? Et quand tout le reste tu peux pas boire, tu peux rien faire. Donc là c'est midi tu peux? Ouais. Ok. Là il est midi 20. Bah c'est pareil. Ah ok, d'accord. Ça, ça finit. Ok. Bûcheron. Ah, bûcheron. Ouais. T'es pas encore sur Clash Royale là? Non. Frère, depuis 5h du mat t'es dessus, t'as pas gagné une game. On fait quoi les mecs? Les gars Ouais. On fait quoi là? On va faire les courses pour le ramadan. Non, écoute. Le problème c'est que là c'est férié, il y a tout qui est fermé. On est férié, c'est le lundi de Pâques, frère. Donc tout est fermé, ok? Est-ce que vous êtes chaud? On va visiter une forêt. Bon, les refs, Rémi, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va où en été? Tunisie. En Tunisie. Il y a quoi? Il y a la mer là-bas. Il y a la plage. Ouais. Ok. Donc ça veut dire il faut être torse nu. Mais toi t'as un gros ventre. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va se faire une séance. Et vas-y, pose le chien, frère. Les gars, j'ai tout sorti. Le banc est dehors. Ok. Ramadan ou pas, ici on est des hommes. C'est bon, on va chercher Nadim ou pas? Nadim, il va faire sa séance avec nous aussi. C'est parti. Il est où? Qu'est-ce que tu fous, toi? Nadim. Ouais. Nadim, on a dit que tu faisais le ramadan. Il est quelle heure, là? Midi. Non, il est pas midi toute la journée. Regarde, là, il est quelle heure? Il est 13h, mec. Mm. Il est 13h. C'est midi passé. Comment on fait? Faire quoi? Bah, pour le ramadan, t'as dit que c'était que midi. Le soir De quoi, le soir? Le soir, on mange le ramadan. Le soir, on mange le ramadan? Oui. Et la journée, tu fais quoi, alors? Et bah, la journée, je mange des glaces et c'est tout. Et les glaces, on a le droit. Ah, les glaces, on a le droit? Mmh. T'es sûr de ça? Mmh. Ouais, bah, je t'ai fait confiance. On va faire une séance de musculation, mec. Ah, moi, j'ai cru qu'on allait y aller dans la forêt. Non, on va pas dans la forêt. C'est pour ça que t'étais caché, là? Oui. Ah, mais non. On va faire une séance de musculation, mec. Ok, tu vas gonfler les pecs. Tu mets une chanson pour bien booster, hein. Ouais. Pour les muscles. Ouais. Vas-y. Soprano. Attends. Allez. Comment ça, tu sautes? Vas-y, frère, ça fait 8 heures que tu fais une traction. Une. 2 3 wow. 4 wow. 5 wow. 6 wow. 7 wow. 8 C'est trop chaud. 9. Deuxième exo, on va faire des dips. Est-ce que tu connais les dips? Allez. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça, vas-y. 1, 2, 3. Ok. Là, tu te moques de moi, là. Non, t'es bien, là. Okay. Tu te moques pas de moi? Non, vrai. Vas-y. Allez, summer body. Dans la tête, c'est summer body. Okay. Ah oui, ok. Bon, troisième exercice. C'est parti, Nadim. 1. Vas-y, 2, tu l'as battu. Descends, oui, 1. 2. Oh, encore une ou tu descends bien? 3. Troisième exo, les abdos. Aïe. 1. 2. 3. 4. 8. Remonte plus. 9. 10. Ok, le summer body. C'est bon? 1. 2. Vas-y, ça. Attends, j'ai mal posé.
Ok, quatrième exo. Allez, on va partir sur développé couché. Point fort, fort. Allez, développé couché. Oh, point fort, t'as dit. Point fort, point fort. Échauffement. Une. Ok. Sept. Ok. Ok, vas-y, on rajoute un poids. On rajoute 10 pour commencer. Allez, go. Let's go. 1. 2. 2. 5. T'es comment là? T'es comment? Facile, ça va. Facile? Ok. 6. Allez. Propre. Ok. Plus 10 kilos. T'as eu un peu de mal à la fin, non? À la fin, ça va. J'ai commencé un peu à. On rajoute 4 kilos. T'en fais 6, 8 toujours. Bien. Attends, attends, ça bug. T'as besoin d'un coup de main ou pas? Non, non. Ok. Non. Non, vas-y, vas-y, tranquille alors. C'est bon là? Ouais, ouais. Vas-y, ok, ok. Ok. Vas-y. Tu fais exprès, c'est échauffement, non? Ah, c'est échauffement. Ok, ok, vas-y. Tu me dis si t'as besoin d'aide. 34 kilos, c'est beaucoup. Tu me fais rigoler, c'est pour ça. Ah, ok, ok, vas-y, j'arrête là. Mais wesh! Wesh! C'est la moitié de son poids. Ok, 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 c'est bon, Nadim, c'est bon. Ouais, faut pas trop que tu fasses des muscles, t'es encore petit, toi. Nadim, tu fais quoi là? Quoi? T'écoutes quoi? Bah, j'écoute le Soprano, le coach. C'est bon. Soprano, le coach. Vas-y, mets le son. Cinquième exercice. On va s'échauffer les bras, les mecs, ok? Ok. 1. 2. C'est propre. 3. C'est pas propre. 4. Aïe! 7. Allez, vas-y, 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 vas-y. La dernière. Propre, 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 propre. Ok, vas-y, l'autre bras. Ouah, ma gauche, c'est chaud. 1, ça passe, vas-y. 2, vas-y. Ma gauche. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouah, ma gauche. 3. Nadim, c'est pas du lancer de poids. Hein. Ok, encore une. Vas-y. Ok. C'est un exploit, ma gauche. Hein. Que. Ok, Nadim, t'es en train de mourir avec le poids. Développé militaire. Du coup, si militaire. Tu en fais 10, genre, je suis un militaire. T'es un militaire. Vas-y, c'est parti. 10 Ouais, s'il en fait 10, c'est un militaire. Je m'échauffe au cas où les épaules parce que ça peut être fatal. Il a dit ça peut être fatal. Fatal. Allez. 1. 2. Propre. 3. Propre. 8. 9. 10. C'est un militaire. C'est un militaire, mec. C'est bon, mec. Je pense que c'est bon pour la séance, là, non? Je pense que c'est bon. Est-ce qu'on va faire le gâteau? L'extraction, c'est quoi? Vas-y. Va te laver les mains. Moi, je vais à la douche. Rémi à la douche. Et on va faire le gâteau, ok? Et moi, je me mets un pansement. Le gâteau pour le ramadan. Mec! Wesh! On va faire le gâteau? Bah, je finis de jouer à Fortnite. Attends, non, mais là, je suis en tournoi. Mes frères! Ah! 5h du mat! 8h du mat! J'espère que tu gagnes toutes tes games au moins, sale chien! Non, mais là, je suis en tournoi, j'ai payé 10 gemmes! Est-ce que t'as déjà fait un gâteau dans ta vie? Ouais! C'est vrai ou pas? Ouais, avec papa. T'as fait quoi comme gâteau? Un gâteau au chocolat avec extra piment, et j'ai trop adoré. Je te jure, c'était. Gâteau chocolat piment? Oui! C'était wow. Hyper bon! Bon, les refs, on attend que les autres gags finissent leur game et après on part pour faire le petit gâteau, les gars, parce qu'un ramadan sans gâteau rebeu, c'est pas un ramadan, tu connais mon frérot. J'espère que les gars, vous êtes en train de kiffer cette petite vidéo. Donc voilà, c'est vraiment une journée avec moi et mes refs. Si c'est le cas, les gars, les petits pouces bleus, vous abonnez, c'est pas encore fait. Et aussi, les gars, venez sur Instagram, on va bientôt faire un Instagram contrôle ma vie avec mes petits refs, donc ça peut être marrant aussi. Donc n'hésitez pas à rejoindre en bas le petit Instagram, les refs. Bon, vous avez fini de jouer là? C'est bon, mec? Nadim, donne tes mains. Tu mets des gants, mec. Parce que toi, toute ta vie, tu pues, toi. Les œufs. Prends les œufs. Ok, tiens, Nadim, mets les œufs. Tu sais qu'à tout moment, lui, il les fait tomber. Hein. Genre, un truc comme ça, lui, il peut faire une dinguerie. Après. De l'huile. L'huile. On met toute l'huile. Après. Le sucre. Le sucre. Moi, je sais beaucoup de sucre, ça, maman. Moi, je vais à la salle. Rémi, c'est pas grave. Mais... mets le sucre vanille en même temps. Vas-y. Doucement. Doucement, Nadim. Fais cette taille-là, il le met à côté. Vas-y. Voilà, c'est bien, Nadim. Vas-y. Comme un crayon. Comme un crayon, exactement. Mets l'eau de rose, mais dans le. Oui. Au même temps que tu ajoutes la farine, tout doucement. Tout doucement, au fur et à mesure. Tout doucement, tu ajoutes la farine. Et Nadim, tu continues. Doucement, doucement. Oui. Voilà, bien. Nadim, doucement, Nadim. Doucement, calme-toi. Voilà, fais une pause. Toi, t'as pas besoin de secouer, Nadim, t'as pas besoin de mélanger. Vas-y, c'est bon. Vas-y. Mettez-en dedans, Nadim, calme-toi, Nadim. Mais Nadim, tu lui dis calme-toi, il accélère. Arrête. Mais arrête, gros, t'en mets partout. Ah, ça commence à être dur là. Là, ça commence à être pas mal. Peut-être des mots. Non. Ah si. Non. Ouais, normalement, c'est... ouais. C'est bah des petites, hein. Ouais. Ça, hein. C'est bon, maman, la boule, elle est bien. Un point stratégique pour que c'est toi qui. Faut qu'il soit même. Oh, ah mais c'est fini là. Il l'a fait tomber. Ouais. Ouais, ça y est. Mais vas-y, mais lui, mais. Comme ça. Trop petit, Nadim. Et ok, je prends tout seul.
Bah c'est trop grand là, c'est trop grand. Nadim il en a pas encore fait une je crois. Nadim le ramadan ça se passe bien? Ouais. T'as pas mangé encore? Ouais. Du coup les gars ça donne ça, donc maintenant maman on va le mettre au four. Ouais. On le met au four et après ça sera confiture et notre coco. Maintenant temps de cuisson les refs et après petite finition. On se retrouve juste après dès que ça finit de cuire. 8-10 minutes je crois. Eh hey, mais ce mec c'est un grand malade. Regarde ce qu'il est en train de faire, regarde ce qu'il est en train de faire. Regarde. Ah, regarde ce qu'il fait, frère. Oh là 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 là, incroyable. Là, comme ça. Ok. Tout. Après, hop, et après tu le mets là-bas. Oh, ça a l'air trop bon, Rémi, non? Non. Comment ça, non? Après, hop. Et tu poses là-bas. Vas-y, vas-y, on fait un travail d'équipe, ok? Parce que là, frérot, sinon... Vas-y, ne bois pas ça. On va pas y arriver. Toi, tu prends, tu mets là-bas. Nadim, tu recouvres et moi, je pose dedans. Ok. T'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. Ouais. T'es le goûteur, mec. Ah non, okay. Tu fais le ramadan, tu peux pas goûter. Mais si. Non, non, je fais le ramadan. Mais je fais pas le ramadan. Si, si, comment ça? T'as toute la journée que t'as fait. Alors? Hyper bon. Ça reste, c'est validé? Est-ce qu'on est trop chaud? Ouais. Ok. Ça m'a l'air pas trop mal, Rémi, non? Oh là, j'ai hyper faim. Plutôt, je recherche. Ça a l'air pas mal du tout, les mecs. En vrai, c'est compliqué, tu trouves ou quoi? Le ramadan? Ouais. Moi, je dis non. Nadim, ça va. Hein. Tout dépend. Ouais, ça va trop bien. En vrai, ça dépend comment tu fais. Tu vas dehors, si tu cours. C'est vrai que quand tu fais le ramadan, arrête, frère, tu t'es là, tu dors toute la journée. T'es là, frère, t'es super mal, ça te met super mal, ça sert à rien de le faire, tu vois ce que je veux dire? C'est là, tu passes ta journée à dormir, t'es là, t'es pas bien, t'es en manque d'énergie, tu sens que tu vas tomber dans les pommes. C'est pour ta santé, frère, aussi, un minimum. Bon, et eh ben on a fini. Là, il est soufflé. Bon, bah les refs, c'est bon, c'est fini. Du coup, rendez-vous à 20h30 ce soir, non? 20h30, et Rémi, on va goûter ça. Vas-y. Et puis, on va voir si c'est bon. On va demander aussi à Zizou si ça va être bon. Nadim, il a déjà dit. Donc voilà, les refs. Hein. Et puis voilà, bah à tout à l'heure, les gars. Rémi, l'heure du verdict. Vas-y mec, goûte. Zizou, on l'a fait avec l'aide de Nadim. Non, en vrai, il est incroyable. Ça va, moi je trouve super bon. Moi j'aime bien. Là, bon. Moi je kiffe. Zizou, combien sur 10? Est-ce que c'est meilleur que la dégustation ce matin ou pas? 8,5. En vrai, dis la vérité, toi. 7. Non, dis la vérité. Dis la vérité, tu sais que c'est pas 7 que tu penses à un chien. Combien? 4. C'est un chien. En vrai, Zizou. T'es super bon, quoi. Voilà, voilà. Wow, tu m'as tout porté. Voilà, avec Nadim, il a mis ses crottes de nez dedans. Il a fait tomber 8. On arrive à la fin de cette journée du ramadan. Zizou, on l'a vu à peu près 2 minutes, sale chien, gros. Rémi, qu'est-ce que t'en as pensé de cette journée? À part dormir. Non, j'ai pas dormi, je joue à Clash Royale. Bon, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, les gars, vous connaissez. Petit pouce bleu, on like, on partage, on s'abonne. Et si vous voulez un épisode 2, combien de likes? 4000, c'est bien. Épisode 2, les gars, si vous voulez, 4000 likes. Et ensuite, j'ai déjà quelques idées, ok?